Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà ensemble et là je vais vous redemander est-ce que vous me voyez bien et m'entendez bien? Oui, alors donc si là vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas de son, là c'est vous qui avez à vérifier vos connexions. Alors je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour rendez-vous avec Pierre Lessard et j'espère que on va pouvoir faire ces rendez-vous-là le plus souvent possible. En fait, mon but c'est qu'on y arrive à le faire chaque semaine. Donc le prochain, c'est déjà dans 2 semaines, je vous le dis en commençant, dans 2 semaines. Et dès que je vais pouvoir vraiment obtenir une organisation stable, c'est un peu plus compliqué quand je suis en Europe, j'ai pas toujours une connexion parfaite. Et de plus en plus, on s'en va vers une école virtuelle où on a des propositions quasi chaque jour. Alors, le but de notre rencontre, le but de rendez-vous avec Pierre Lessard, c'est de répondre à des questions qui nous permettent de toucher des thèmes importants pour chacun de nous, même si quelquefois la situation difficile que vit une personne vous touche pas directement, vous la vivez pas directement. Il arrive tout de même que le thème soit en résonance et soit évidemment très intéressant. Moi, je trouve que toutes les questions sont intéressantes. Lorsque vous placez votre question, je vous invite à commencer par deux, trois petits points d'interrogation et les terminer par deux, trois petits points d'interrogation pour que je puisse bien les identifier comme des questions. Et puis, voilà. Vous pouvez aussi vous nommer, dire que vous êtes là. Votre prénom, c'est tout à fait incognito. De toute façon, on ne vous reconnaît pas. Simplement le prénom pour que je sois avec tout de même une relation avec vous. Alors, je peux vous dire déjà, avant de commencer à répondre aux questions, que il y a de plus en plus, je vais préparer des rendez-vous avec Pierre Lessard en présentiel. Donc, on a ces rendez-vous en virtuel qui vont être de plus en plus fréquents et éventuellement, là, très bientôt, même des rendez-vous en présentiel. Alors, comment ça va fonctionner? D'abord, il y a un horaire dans le calendrier de symphonie.live. C'est là que vous pouvez trouver d'abord où je suis à tout moment et où vous pouvez être en connexion, soit virtuelle ou soit présentielle. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site www.symphonie.live. Symphonie est en français, live en anglais, symphonie.live. Et puis, vous allez voir comment avoir accès à tout. Donc, généralement, on vous demande de vous inscrire, c'est-à-dire donner votre nom, votre adresse email, tout simplement, pas d'autre chose. Et ce qui vous donne d'abord accès à beaucoup de choses. Ça vous donne accès à différentes guidances, par exemple, le processus d'équilibre énergétique dont je parle souvent en répondant à des questions, le dialogue avec les cellules pour les gens qui vivent des difficultés au niveau physiologique et qui peut même être adapté à des difficultés psychiques, aussi détente du système nerveux, comment élever sa fréquence, tout ça est accessible. Ça vous permet aussi d'avoir accès aux différentes cellules de Symphonie. Donc, Symphonie, il y a une approche cellulaire. Vous allez voir, il y a des cellules qui sont en démarrage. Par exemple, la cellule École Santé, qui va présenter différents éléments pour favoriser votre santé. La cellule des arts, par exemple, qui a pour but de favoriser la connaissance de certains artistes qui œuvrent de près avec nous, qui participent aux activités symphoniques, et puis de favoriser une sensibilisation par l'art chez toute personne. Il va avoir la cellule entreprise aussi pour favoriser les transformations des entreprises, pour qu'elles deviennent des entreprises du nouveau monde. Et évidemment, tout un ensemble d'enseignements pour favoriser notre bien-être, dont la cellule méditation, où il y a la pleine conscience, etc. Donc, vous aurez accès à ça et vous aurez aussi accès au calendrier. Donc, en personne, le présentiel, je commence évidemment de façon très, très pointue, c'est-à-dire que ce sera généralement le jour après un stage ou après un atelier. Par exemple, si je fais un stage à Nantes, pas si je vais faire un stage à Nantes là au mois d'octobre, eh bien, le samedi, le dimanche. Alors, le lundi, je vais pouvoir faire des rencontres. Alors, vous allez pouvoir avoir accès au calendrier
et choisir une rencontre. Il y a des rencontres qui sont un peu comme celles qu'on fait là, 10-15 minutes où je peux vous rencontrer, puis essayer de vous aider. C'est gratuit, ça vous est offert. Il y a des rencontres plus longues, là, vraiment où on peut aller plus à fond. Ben là, il y a un frais pour ça. Vous allez tout voir ça dans le calendrier et vous inscrire. C'est pour les personnes qui suivent des stages durant la dernière année, qui ont participé à quelque chose. Voilà. Alors, je vais toucher un thème qu'on va certainement approfondir à travers les questions. D'abord, c'est le thème des signaux. C'est un thème qui m'est très cher, qui fait partie vraiment de ce que je propose, c'est d'être à l'écoute des signaux. Des signaux de notre vie qui nous invitent vraiment à un éveil, prendre conscience, poser notre attention sur quelque chose. Quels sont ces signaux? Des signaux qui proviennent de la conscience de notre être. Il y a d'abord les signaux du corps, un malaise, une douleur, une difficulté, une maladie. Eh bien, ces éléments, on peut se sentir victime de la vie, on peut penser que c'est le hasard, la coïncidence, mais aussi on peut comprendre que ça fait partie de ce que inconsciemment on participe à générer et c'est présent pour nous aider à changer quelque chose dans notre vie. Donc, comme tous les signaux, alors il y a ces signaux du corps, il y a les signaux aussi qui sont des émotions. Chaque émotion est un signal qui nous invite non seulement à vivre l'émotion, à l'exprimer, mais aussi à aller plus loin en profondeur. On a des pensées qui sont tout à fait lumineuses, il y en a qui sont moins lumineuses et qui sont aussi des signaux. On a aussi des insatisfactions, des frustrations, voire des compensations que je vous invite à voir comme des signaux plutôt que de vous juger de tout cela, voir que c'est des signaux, ils veulent vous parler de quelque chose, ils veulent vous inviter à transformer quelque chose. Il y a des éléments récurrents, soit des pensées récurrentes, des images récurrentes, des événements récurrents qui, au-delà de l'événement lui-même, comportent un message profond. Donc, quand je parle de signaux, je parle de messages. On pourra s'en reparler certainement dans les réponses aux questions, mais je vous invite dès le début à voir ces aspects de la vie différemment, comme des inspirations qui reviennent, des impressions qui reviennent, des sensations qui reviennent. Vous voyez, des signaux, il y en a vraiment une multitude, c'est presque tout ce que l'on vit en rapport avec nous, au-delà de ce que ça nous fait vivre, nous propose un enseignement pour nous diriger par des changements vers un mieux-être, vers une évolution. Donc, je vous en reparle plus en profondeur parce que je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions. Alors, on va commencer. Si jamais j'ai oublié votre question, n'hésitez pas à me dire, Pierre, tu as oublié ma question. Vous me dites, il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas de son. Je veux juste m'assurer que vous avez bien du son. Est-ce que quelqu'un peut me répondre que vous avez du son? Oui, j'imagine, puisqu'il y a des questions. Alors, je commence avec une question de Chantal, qui me dit, ma question concerne les peurs. Lors d'une pratique, l'on est amené à regarder nos peurs en face, comment faire pour qu'elles ne s'amplifient pas, pour que l'observateur reste neutre, et comment faire pour qu'elles se dissolvent? Ben, c'est une question qui est importante et c'est une question qui nous touche tous, parce que à un moment ou un autre dans notre vie ou de façon continue, on rencontre des peurs. Et donc, parmi tous les signaux que j'ai nommés, ben, évidemment, j'avais vu du coin de l'œil cette question. Je me dis, ben, les peurs, ce sont des signaux quand même très, très, très importants. Les peurs se présentent. Généralement, les peurs ont une source qui est intéressante à détecter. Alors, Chantal nous présente différents éléments dans sa question qui sont intéressants. Comment faire pour qu'elle ne s'amplifie pas? Alors, la première chose que je vais vous répondre, c'est faire en sorte de ne pas la nier, de ne pas l'occulter. Parce que quand on occulte une peur, quand on intérieurement, par nos pensées ou par nos gestes, on fait comme si elle n'existait pas. Eh bien, c'est comme si on lui ouvrait la porte pour nous influencer beaucoup plus profondément, quasi à notre insu, du moins pour le début. Alors,
C'est certain qu'il est important d'être conscient de nos peurs, sachant qu'elles viennent nous parler de quelque chose. Alors, Chantal nous parle, l'observateur reste neutre. L'observateur, c'est un aspect de nous qu'on a à développer. Dans une perspective d'évolution, particulièrement d'évolution spirituelle, l'observateur, c'est une thématique majeure d'évolution. Alors, souvent, je vais parler qu'à l'intérieur de soi, on a un personnage. Un personnage, c'est en fait une image de nous. Une image de nous dont on connaît en partie et que les autres en connaissent en partie, quelquefois une autre partie. C'est un personnage qui est en fait l'ensemble de nos blessures, des peurs, des croyances, des comportements réactionnels à tout cela. Donc, c'est tout comme si, à partir des premières blessures de la vie, il y a une création inconsciente de notre part d'un personnage pour sauver sa peau, pour nous protéger. Alors, ce personnage, c'est important. Ce personnage a sa personnalité. Et aujourd'hui, dans notre monde, on parle beaucoup de se créer une personnalité, alors que vous avez une individualité qui est déjà merveilleuse. Alors, si par exemple, quelqu'un vit une ou quelques expériences où il se sent rejeté, alors donc pas aimé, pas à la hauteur, etc., il va tenter inconsciemment de mettre en place peut-être des états, des attitudes, des comportements pour ne plus l'être. Et alors, il crée inconsciemment un personnage, donc une image de lui, qui répond à ce qu'il croit que les autres veulent avoir, veulent voir et avoir. Donc c'est comme si la personne qui se sent rejetée ou qui ne se sent pas à la hauteur se dit, tiens, je ne suis pas ce qu'on attend, je ne suis pas apprécié. Donc je vais essayer de développer une personnalité et des façons de faire qui répondent à ce que les êtres attendent. Et de ce fait, évidemment, ça le protège du rejet. Temporairement, c'est intéressant, sauf que à plus long terme, ben, l'individu se reconnaît dans le personnage plus que dans lui-même, et de l'extérieur, on connaît ce personnage plus que de lui-même, et ça fait en sorte que, évidemment, l'individu ne se sent pas aimé puisqu'il se rend compte qu'on aime son personnage, plus ou moins. Mais plus que lui, puisque lui existe de moins en moins, c'est son personnage qui existe. Donc à l'intérieur de nous, il y a l'être vrai, l'être qui est ce que vous êtes vraiment avec vos qualités, vos dons, vos élans, vos ouvertures. Et puis de cet être vrai, il y a une partie qui est l'observateur, la partie sage qui peut observer ce qui se passe. Donc il y a une partie de vous qui est dans l'action. Puis il y a une partie de vous qui peut observer ce qui se passe. Quelqu'un vous parle, ses paroles peuvent vous stimuler, vous enjouer ou vous déplaire, et vous sentez vraiment peut-être des émotions, vous sentez une effervescence, vous sentez que ça vous amène ailleurs. Mais il y a une partie de vous qui est vraiment intéressante à développer, qui observe ce qui est en train de se passer. C'est l'observateur. Donc c'est ce dont elle nous parle. Comment peut-il rester neutre? Ben, de par définition, l'observateur est neutre. Alors, à partir du moment où il n'est plus neutre, alors c'est un peu le personnage qui réagit. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui vous dit des choses un peu lourdes, qui vous dit que vous n'avez pas été à la hauteur, vous avez fait ci, c'est de votre faute, etc., c'est un peu lourd et que l'observateur observe ça, il se dit, tiens, j'observe ce qui m'est dit, j'observe l'autre dans comment il agit, mais que tout à coup, l'observateur reste plus neutre et vous commencez à penser, non, mais il a tort, et c'est de sa faute, etc. Ben, c'est plus l'observateur. L'observateur, vraiment, a glissé et c'est le personnage qui s'est manifesté. Donc, face aux peurs, comment faire pour qu'elles se dissolvent? Alors, avec tout ce préambule, je dis d'abord, les peurs ont une source. La source peut être antérieure à sa manifestation. Et antérieure, ça veut dire, ça peut être de ce qui s'est passé dans les derniers jours, mais ça peut être de ce qui s'est passé bien avant, jusque dans votre enfance, ou même auparavant, même
la période de croissance intra-utérine, il y a beaucoup d'éléments qui apportent des blessures. Alors, en fait, quand vous avez une blessure de non-reconnaissance, une blessure de rejet, une blessure de non-appréciation, lorsque vous ne sentez pas bien, eh bien, ça génère une peur. Ça génère une peur, c'est tout à fait naturel, une peur que ça recommence. Si quelqu'un vous dit, voilà, vous n'êtes absolument pas compétent, vous faites plein d'erreurs, vous n'êtes pas attentif et vous n'êtes pas à la hauteur de ceci, eh bien, vous vous dites intérieurement, tiens, est-ce qu'il a raison? Vous vous dites, tiens, je vais être attentif, mais vous avez peur que cela puisse continuer ou recommencer. Alors, c'est tout à fait naturel. Donc, la peur naît d'une blessure. Et généralement, si ça continue, cela va générer une croyance. Donc, il y a cette équation-là, blessure, peur, croyance. Si quelqu'un, par exemple, a tendance à vous rejeter, et que plusieurs personnes ont tendance à vous rejeter ou que vous vous sentez rejeté, bah, vous pouvez développer la peur d'être rejeté à nouveau, mais aussi développer la croyance que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas aimable, que vous n'êtes pas adéquat. Vous voyez l'équation blessure ou situation malaisante, peur, peur de ce que cela génère en vous, mais peur aussi d'être blessé à nouveau, et la croyance qui s'installe progressivement. Alors, d'abord, accueillir la peur, lui faire face. Lui faire face, ça ne veut pas dire être en guerre, tenter de réagir. Lui faire face, c'est accueillir en se disant, tiens, de quoi veut-elle me parler cette peur? Généralement, elle veut vous parler, entre autres, de sa source. Parce que s'il y a la peur, c'est qu'il y a une invitation à changer quelque chose. La personne qui change quelque chose risque de créer un aspect du personnage. Donc, plus on est conscient de ça, plus on est attentif. La peur veut nous dire quelque chose, veut nous dire, tiens, attention, pose ton attention sur quelque chose. Qu'est-ce qu'elle est là? Là, dans l'action, généralement, vous n'avez pas le temps de faire cette forme d'analyse. Mais vous pouvez tout de même tenter de dire, tiens, voilà, il y a une peur, elle veut me dire quelque chose. Et quand vous avez un moment, vous pouvez dire, tiens, qu'est-ce que tu veux me dire? Souvent, je veux dire, tiens, symbolisez la peur. Vous avez peur de quelque chose, vous prenez un objet, n'importe lequel. Vous prenez un objet, tiens, sous la main, j'ai ici un petit réveil, un petit cadran. Donc, je peux le poser devant moi. Et s'il est symbolique, OK, c'est encore mieux. Et vous lui parlez, vous dites, tiens, toi, tu représentes ma peur. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ce qui est intéressant, c'est que on ne fait pas une analyse intellectuelle, mais on entre en contact avec des parties de nous qui savent, c'est-à-dire notre esprit, notre conscience. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me dire, et là, vous écoutez à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire une réflexion aussi. De quoi me parle cette peur? Si, par exemple, vous avez peur, lorsqu'il y a des éclairs et du tonnerre, vous avez vraiment peur. Pas juste. Oui, vous pouvez dire c'est naturel d'avoir peur que l'éclair tombe là devant vous, mais vous pouvez dire, tiens, qu'est-ce que tu veux me dire? Et tu sens que ça fait longtemps que tu as cette peur-là. Et tu veux me dire que tu as peur d'être seul, par exemple. Le message, c'est cette peur du tonnerre, c'est une peur d'être seul dans le fracas où tu as peur que les choses prennent une proportion que tu ne peux pas gérer. Alors, elle te parle de consolider quelque chose. Ça ne veut pas dire que courir à gauche et à droite pour trouver quelqu'un quand il y a le tonnerre. Et ce tonnerre-là peut symboliser du fracas, du bouleversement dans ta vie. Et tu dis, tiens, elle te parle d'être attentif justement pour éviter les bouleversements. Alors, je pourrais prendre mille et un exemples, mais l'idée, c'est de tenter de capter de quoi la peur veut nous parler. Et plutôt que de dire, tiens, c'est un ennemi, je veux dire, tu veux me parler de quelque chose, je vais essayer de identifier qu'est-ce que je peux transformer, quelle vision, quelle croyance je peux transformer ou quelle blessure je peux transformer, parce que la blessure, c'est une rupture dans la relation à soi-même et qui provient de situations que j'ai interprétées, qui sont réelles, mais que je peux transformer
Souvent, il y a un programme par rapport à ça. Donc, ça nous amène, c'est comme un nid de guêpes, là. Quand on rencontre une peur puis qu'on veut vraiment aller plus loin, eh bien, on va faire ouvrir tout ça. Tiens, quelle est la blessure qui est dans ça? Est-ce qu'il y a des croyances qui sont générées? Parce que si je ne le fais pas, ça perdure cette histoire-là. Mais l'idée, c'est vraiment de tenter de comprendre qu'est-ce que la peur veut vraiment me dire et comment je peux, souvent dans ce message, aller vers la blessure qui est en question pour transformer un programme qui est devenu presque un automatisme. Alors, quant au personnage, eh bien, c'est l'expérience. Quand vous me dites, pas le personnage, mais je suis à l'observateur, qui tout à coup a délaissé son rôle et est devenu le personnage, eh bien, ça, c'est de l'expérience. On choisit d'être observateur, mais plus la situation est provocante, eh bien, plus l'observateur peut s'en aller, laisser place au personnage. Je fais une relation avec ce qu'il y a eu hier soir. Hier, il y avait le débat entre Trump et Harris, sans prendre parti. On a vu à un moment donné que Kamala Harris tentait justement de faire perdre cet état où il observait, il écoutait, il observait, et tentait de lui faire perdre ses gonds, c'est-à-dire de. Et là, elle a réussi à un certain point, à un moment donné, avec un certain thème. Donc là, c'était plus le personnage. Là, on a vu qu'il s'est mis à réagir il a perdu le fil de son orientation. Et quelquefois, ça se peut passer dans un sens ou dans l'autre, mais ça nous arrive souvent. Alors, je peux pas décider, tiens, mon personnage, il va pas se faire avoir. Mon observateur va rester neutre. Il est neutre. Le personnage, l'observateur veut nous dire des choses. C'est la pratique, jour après jour, de se dire, tiens, il y a une partie de moi qui est observateur, de telle sorte que je puisse comprendre. Devant la peur, il y a une partie de moi qui est observateur. Oui, je me sens pas bien face à une peur. Vous pouvez vous dire ça. Toutefois, l'observateur va dire, toi, la peur, tu veux me parler de quoi exactement? Tu veux me dire quoi? D'où viens-tu? Et là, on peut se dire, tiens, depuis quand j'ai cette peur? Puis vous allez voir que si vous faites le fil depuis quand vous avez cette peur d'une fois à l'autre, est-ce que j'avais cette peur cette année, l'année passée, il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous allez remonter jusqu'à une blessure ou bien jusqu'à une thématique karmique où là, on pourra envisager de voir comment cette thématique, qui est une programmation, peut être déprogrammée. Alors, Anne nous dit, comment différencier une âme, une entité ou une forme pensée? Que faire avec cette énergie une fois qu'on l'a déconnectée à nous, lorsqu'on l'a déconnectée à nous, selon le type d'énergie? J'imagine que c'est différent. Bon, c'est une question qui est intéressante. L'âme, c'est la partie de vous qui se manifeste par une sensation au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Donc, on a des sensations corporelles, évidemment. On a aussi des sensations plutôt psychiques qui sont associées au plexus solaire. Donc, parmi ces sensations, il y a des émotions, exemple, il y a des émotions de peine, de tristesse, de colère, mais il y a aussi des émotions de joie, des émotions d'effervescence, donc qui nous font vivre, on vit à travers ces sensations, ces émotions. Mais il y a aussi des sensations au niveau du cœur. Ces sensations au niveau de la poitrine ici, donc plus haut que le plexus solaire, sont soit des sensations de bien-être très, très, très grand. C'est pas un bien-être physique, c'est comme une ouverture, hein, d'amour qui est au-delà de l'amour affectif. Ou bien c'est une sensation de mal-être, mais pas un mal-être physique ou psychique, c'est un mal-être comme si il y a quelque chose de pas juste pour moi qui se manifeste. Alors, disons que je suis devant une scène où je reçois une invitation à participer à ça, je peux ressentir vraiment ici une joie ou une peur de participer à ce qui s'invite, mais au-delà de la sensation du plexus solaire, je peux ressentir ici une ouverture, quelque chose de vraiment plus d'une joie plus grande du cœur, une forme d'appel qui me dit c'est juste, ça te convient, ou bien une forme de fermeture, pas une attitude qui se ferme, c'est une sensation me disant que
C'est pas tout à fait juste. Donc l'âme se présente sous cette forme, soit de bien-être au niveau de la poitrine ou de mal-être. Alors ça, c'est une façon de capter l'âme. L'entité ou la forme pensée, ben, l'entité peut prendre différentes formes. Une entité, c'est une forme de vie différente. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des entités qui sont très lumineuses. À travers les âges, on a parlé des anges gardiens, on a parlé des guides, on a parlé des maîtres ascensionnés et plusieurs autres termes qui sont des entités lumineuses qui viennent nous transmettre soit par des voix intérieures, par des inspirations, par des impressions, voire par des visions ou une voix presque extérieure qui nous parle dans l'oreille et qui viennent nous guider, apporter un éclairage, pas nécessairement nous dire quoi faire, mais qui nous apporte un éclairage pour que nos choix soient plus en correspondance avec qui on est. Et il y a des entités qui sont plus lourdes. Alors, parmi ces entités, on a souvent la forme la plus fréquente, c'est un égrégore lourd. Alors, un égrégore, c'est une masse, c'est une accumulation de certaines formes vibratoires, par exemple. Imaginons qu'on ait une centaine de personnes qui se rencontrent. Il y a 2 semaines, on a fait une journée champêtre. Donc, on était une centaine de personnes ensemble. Il y avait de la joie, il y avait aussi beaucoup d'amour. Alors, tout cet amour qui rejaillit de chaque personne, crée comme une masse d'amour, comme un nuage lumineux amoureux, un égrégore lumineux d'amour. Alors, il y a des êtres, il y a par exemple des moines qui consacrent leur vie à collaborer, à créer des égrégores d'amour. Mais il y a aussi d'autres choses qui se passent. Alors, il y a, par exemple, dans des lieux, dans des pays ou dans le monde, tout à coup, il y a de la peur. On parlait de peur. Il y a eu une période, je pense à la période où il y a eu le virus, là, où la peur était nourrie de partout. Donc, il y avait beaucoup de peur. Et donc, presque mondialement, cette peur-là, peur du virus, peur de rencontrer l'autre, peur de souffrir, et peur de suivre les règlements, et peur de ne pas les suivre. Enfin, il y avait tellement de peur que ça créait une espèce d'égrégore, de peur. Et comme il peut y avoir des égrégores de colère, soit dans une famille, soit dans une région, soit au niveau mondial. Donc ces égrégores-là, ce sont des créations comme ça. Sauf où j'en viens là pour l'entité, c'est que lorsque, par exemple, imaginons qu'il y a un égrégore de colère, donc il y a une masse de personnes en colère, ça crée un égrégore de colère, et que vous entrez en colère. Lorsque vous entrez en colère, vous nourrissez cet égrégore, mais cet égrégore est attiré vers vous. Et il est vivant, en fait, cet égrégore, c'est une masse vivante, vibratoire, qui vient vers vous et qui peut influencer vos pensées, mais qui peut aussi influencer votre corps. Et donc, là, vous sentez un malaise profond. Lorsque c'est une entité de lumière, un guide, etc., vous pouvez être étonné quelquefois, vous pouvez être surprise par la présence, mais vous ne sentez pas de malaise, vous sentez un bien-être. Alors qu'un égrégore, ou une entité sombre, eh bien, vous sentez quelque chose de l'ordre d'un mal-être. Alors, ces égrégores, c'est les entités qui se présentent le plus souvent. Il y a des entités qui viennent du bas astral aussi. Il y a des entités, des êtres qui ont déjà été vivants. J'ai eu beaucoup d'expériences avec des gens où des êtres ont vécu dans une demeure, par exemple, et ils sont décédés, mais pour une raison ou pour une autre, c'est comme si ils ne s'étaient pas élevés vers la prochaine étape et il habitait toujours la demeure. Et donc, quelquefois, c'est joyeux, oui, effectivement. Quelquefois, il y a des odeurs par exemple, de pipe. Je me souviens d'un endroit où ça sentait la pipe, où on entend marcher, où il y a des fois où c'est moins joyeux, comme si l'entité voulait qu'on quitte sa maison. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre je sens un malaise, je sens des manifestations qui sont lourdes et qui sont négatives. Alors, des égrégores, des entités, ça peut influencer des pensées, comme des guides de lumière peuvent influencer ou stimuler des pensées qui sont justes. Alors, une forme pensée, c'est vivant aussi. Vous pensez à quelque chose, c'est vivant.
pour ça que vous amenez ça, Anne. Si, par exemple, vous avez une pensée de colère envers quelqu'un, ben, votre colère nourrit un égrégore, effectivement, mais votre pensée, elle est vivante, elle ne reste pas à l'intérieur de votre tête. Il ne faut pas penser que les pensées, ils sont dans votre intimité. Dès que vous pensez à quelque chose, la pensée voyage, ce sont des vibrations. Et la personne pour laquelle vous avez une pensée de colère, par exemple, va recevoir. Elle est attentive, elle peut s'en rendre compte. Elle n'est pas attentive, il se peut qu'elle ne s'en rende pas compte. Si elle est entourée d'amour et qu'il y a une pensée de colère parmi tout ce qu'elle reçoit de lumineux, elle va peut-être pas s'en rendre compte. Mais il se peut qu'elle soit extrêmement sensible et que tout à coup, il y ait une forme de pensée qui vient la faire sentir mal. Souvent, c'est un malaise, une sensation de pression, d'oppression à la tête ou à la poitrine. Alors, en fait, faire une analyse pour distinguer tout ça, ça peut devenir compliqué. Ce qui est important, c'est de se rendre compte, est-ce que ça génère un bien-être ou un mal-être? Si ça génère un mal-être, vous commencez par regarder à l'intérieur de vous. Est-ce qu'actuellement, moi, avec moi-même, j'ai un mal-être? Par exemple, vous pouvez dire, est-ce que j'ai un malaise face à mon implication dans ma vie? Est-ce que je me trouve juste ou je m'aperçois que j'ai de la jalousie ou mes paroles, mes gestes, ils ne sont pas ce que je suis véritablement. Donc, vous pouvez avoir un malaise par rapport à vous, donc des choses à changer. Et vous pouvez vous dire, tiens, par rapport à moi, moi et ma vie, je me sens bien. Alors, d'où viennent ces formes de pression, d'oppression? Alors là, vous pouvez voir, est-ce que, par exemple, il y a des gens qui vous en veulent, qui parlent négativement vers vous, ou est-ce que vous avez collaboré dans les derniers jours à nourrir un égrégore lourd? Alors ça, c'est ça que ça peut vous dire, tiens, je reçois un égrégore, ou bien c'est vrai qu'une telle personne m'en veut beaucoup. Alors, vous n'allez pas mettre la cause directement sur la personne, mais vous allez tenter d'émaner de la lumière vers la personne. Or oui, il y a des entités plus lourdes, plus négatives, ça arrive, qui se présentent à vous. Généralement, sont attirées par quelque chose qui fait qu'elles viennent vers vous. Alors dans ce sens-là, je vais vous dire, soyez la plus lumineuse possible. Je sais que de plus en plus, dans ces expériences énergétiques, ces expériences subtiles, il y a des gens qui veulent s'ouvrir, qui s'ouvrent et qui n'ont pas nécessairement équilibré toute leur vie. C'est-à-dire que si vous vous ouvrez à l'aspect subtil et que c'est assez en déséquilibre, vous savez, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de difficultés, d'attitudes lourdes, puis que vous vous ouvrez aux espaces subtils, ben, vous pouvez avoir des guides lumineux qui viennent vers vous pour vous aider, mais vous pouvez avoir aussi des formes d'entités qui sont attirées par des éléments qui ne sont pas tout à fait justes. Alors, ce que je vous dis par rapport à ça, c'est faites en sorte que soyez la personne lumineuse que vous êtes de plus en plus, de plus en plus. C'est pour que se dissolvent ces entités. Quelquefois, un égrégore, ça colle à vous. Donc, vous essayez de voir, souvent les égrégores actuels, c'est colère, critique, peur. Alors, si vous avez vécu ça, ça se peut que ça vienne vers vous. Énergétiquement, on peut vous aider à enlever ça, décoller ça. Et méditation, être dans la lumière, connecté avec la beauté de la vie, les éléments lumineux, les éléments puissants, la nature qui est toute puissante et connectée avec les guides de lumière va vous aider aussi pour dissoudre tout cela. Voilà, une longue réponse pour vous transmettre que ce qui est intéressant, c'est, vous savez, j'ai parlé tout à l'heure du processus d'équilibre énergétique pour que votre énergie soit bien centré, que vous soyez bien connecté à la terre, mais aussi à la source. Donc, je vous propose un processus d'équilibre énergétique. Vous allez sur le site, c'est gratuit, ça vous est offert. Vous le faites en 10 ou 15 minutes chaque matin. Et dans ce processus-là, il y a aussi une façon de augmenter, amplifier et intensifier son champ d'énergie. Alors, quand votre champ d'énergie est amplifié, alors là, il y a beaucoup moins de possibilités qu'une entité vienne vous déranger. Mais si elle est déjà à l'intérieur de vous, on va l'éliminer, évidemment. Là,
pouvez demander à un énergéticien, un guide, etc., ou être vraiment dans votre lumière. Mais ce champ d'énergie, il s'intensifie, il s'amplifie par l'état d'union âme, esprit et corps, et par tout un ensemble de choix de vie, où vous faites en sorte que vos pensées, vos états, vos attitudes, vos paroles, vos gestes, soient les représentants de qui vous êtes vraiment. Et donc, vous avez le droit d'avoir des émotions. Évidemment, il y en a qui passent, et vous voulez les transformer, vous voulez les utiliser pour justement être de plus en plus l'être merveilleux que vous êtes. Et votre champ d'énergie va faire en sorte que de filtrer, en fait, et de faire en sorte d'attirer ce qui vous correspond davantage, de vous attirer vers les choses qui vous correspondent et de filtrer ce qui ne vous correspond pas. Voilà. Je fais une longue réponse. Si jamais ce n'est pas complet ou ça résonne, n'hésitez pas. Vous, soit, par exemple, dans ce cas ici, je parlais à Anne, mais je parlais à tout le monde, mais peut-être quelqu'un a quelque chose qui n'a pas saisi. Et donc, n'hésitez pas à me revenir. Je veux être le plus complet possible. Marjorie nous dit, je suis les enseignements d'un maître ayant passé une partie de sa vie en Inde. Depuis que je le connais aussi dans la sphère privée, j'ai observé des comportements manipulateurs à mon égard. Après l'avoir confronté à ses mensonges et sa trahison, il m'en a voulu et a pris ses distances. Disons que les paroles et les actes ne coïncident pas. Ai-je la possibilité, en regardant avec les yeux du cœur, de transmuter ce lien toxique ou dois-je le rompre? Je suis surprise que son propre maître, considéré comme un grand sage en Inde, lui ait donné la mission d'enseigner. Peut-on être un gourou sans avoir travaillé suffisamment ses blessures pour être dans une parfaite intégrité? J'ai du mal à réconcilier ce manque d'intégrité avec la figure idéalisée que je me faisais du maître. Que pensez-vous de l'énergie transmise dans ce cas? Est-elle protégée par la lignée? Est-elle corrompue? Alors, bon, c'est un sujet qui est important. Depuis longtemps, depuis la vingtaine, je suis guidé par un maître qui m'explique que la première personne à guider, c'est soi-même, c'est-à-dire se guider en étant de plus en plus juste et éliminer toute forme de tentatives, de manifestations, d'expressions qui ne le sont pas. Donc, contrôler, manipuler. Ça ne fait pas sens, c'est relié à des blessures dans l'être. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme maître ou le terme gourou, c'est un terme qui a plusieurs sens et plusieurs niveaux. Gourou, ça se traduit par enseignant. En Amérique ou en Occident, là, souvent, on interprète gourou comme le grand maître. Mais quand on est en Inde, parce que j'ai été très souvent et très longtemps en Inde, gourou, je me souviens, j'avais un ami qui me dit, écoute, est-ce que tu veux, il va y avoir une célébration, est-ce que tu veux rencontrer le gourou de ma fille? Ben, sa fille, elle suit des cours de danse, c'est son gourou, c'est un enseignant en danse. C'est pas un grand maître spirituel, c'est un enseignant en danse. Et il y a un gourou mathématique, ce sont des enseignants. Gourou signifie enseignant. Maintenant, on peut appeler gourou aussi l'enseignant spirituel, très haut niveau. Or, il y a des étapes, vous le savez très bien, parce que vous êtes sur une voie d'évolution. Et sur une voie d'évolution, vous êtes un être lumineux, amoureux, qui choisissez vos pensées, vos gestes et tout ça pour être de plus en plus l'être de lumière que vous êtes. Mais quelquefois, vous avez des ratés, quelquefois vous mettez en colère ou quelquefois vous trichez ou quelque chose comme ça. Alors, vous avez une progression. Ben, cette progression, elle est chez tous les êtres. Donc, quand on dit que quelqu'un est maître, ben, c'est un maître dépendant de quel niveau. Alors, avant d'être un maître réalisé totalement et maître de conscience totale, ben, il y a différentes étapes. Alors, ça m'est arrivé aussi de voir des êtres incarnés en Inde en particulier et de capter qu'il y avait certaines difficultés. Sauf que, par exemple, je pense à un maître dont l'enseignement spirituel, l'enseignement méditatif était majestueux.
Mais il y avait des difficultés à certains niveaux que j'avais détectées. Mais ça n'empêche pas que son enseignement était majestueux au niveau de la méditation. Alors, il n'a pas tout résolu. Alors, là, distinguer entre le maître réalisé, le maître de conscience totale, vous savez, il y a des étapes de maîtrise, et c'est sûr que c'est décevant si vous avez cru que c'était un maître réalisé qui allait ascensionner éventuellement et que vous voyez qu'il y a des comportements manipulateurs. Ben, il peut être manipulateur, pourtant, ce qu'il enseigne au niveau, par exemple, de la méditation, au niveau de la posture, de la respiration, ça peut être vraiment très, 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 très bien, très centré, très maîtrisé. Maintenant, au niveau comportemental, si ses propres comportements sont des comportements de manipulation, alors au niveau comportemental, ben, ce n'est pas nécessairement votre maître. Alors, ce qui est important, c'est de voir pour vous, d'avoir vraiment les yeux et le cœur ouverts et de dire, tiens, cette personne, je trouve que son enseignement sur la respiration, la méditation, c'est merveilleux. Au niveau comportemental, c'est pas tout à fait ça. Donc, peut-être que pour ce qui est d'un maître qui vous guide dans une voie de transformation comportementale, ben, ça va être ailleurs, un autre maître. Alors, c'est important de réaliser cela. C'est important. Quand vous êtes aux études, c'est la même chose. Si vous avez un enseignant, ben vous avez un enseignant au cégep, par exemple, ou au collège, prenez une matière, prenons en philosophie, par exemple, ben cet enseignant qui est au collège, ça peut être un très, très grand maître de philosophie. Et il a l'art de vulgariser, de simplifier, de vous intéresser alors que vous avez 17 ans, 18 ans. Alors qu'il y a d'autres qui vont enseigner la philosophie et qui n'ont pas encore toute cette maîtrise. Et vous pouvez être à l'université puis avoir un enseignant en philosophie qui n'a pas toute la maîtrise, mais dans certaines sphères, il est vraiment très très bon, il a la capacité de transmettre. Il y a quelquefois, vous avez des enseignants qui sont vraiment très bons pour transmettre ce qu'ils ont à transmettre, sont excellents, mais ce qu'ils connaissent est plus réduit, alors qu'un autre enseignant peut avoir une connaissance plus approfondie qui va beaucoup plus loin, mais peut-être moins de capacité de transmettre. Donc même chez les enseignants, ben, vous avez différents niveaux d'enseignement. Alors, au niveau spirituel, c'est la même chose. Donc, on a à être très près de de vos perceptions, de vos inspirations, de ce que vous concevez aussi, pour pas donner votre pouvoir. On ne donne pas son pouvoir à un maître. Par contre, on peut aimer profondément un être. Et après, ben, si vous voyez qu'il y a certains aspects qui vont pas, ben, si ces aspects vous dérange, c'est-à-dire s'il y a des comportements qui sont abusifs, etc., ça peut vous amener à remettre en question même leur guidance sur des choses qui sont justes. C'est-à-dire, je reprends mon exemple, vous avez quelqu'un, par exemple, qui a atteint beaucoup de maîtrise, de compréhension, d'expérience au niveau de la respiration, au niveau de la méditation, mais au niveau de ses comportements, il y a des difficultés. Alors, il se peut que vous disiez, oui, ça m'intéresse de continuer ces enseignements sur la méditation, mais pas pour le reste. Mais il se peut que dans le reste, ces comportements soient de telle nature que vous ayez même plus envie d'avoir ces enseignements sur ces sujets. Alors, c'est une question d'être très connecté avec vous-même, être beaucoup à l'écoute de votre esprit, de vos inspirations et dans la conscience pour sentir la justesse de cette relation. Aujourd'hui, on est dans un monde où, particulièrement en Occident, ben, les religions prennent moins de place, mais tout être humain cherche tout de même un sens et tout être humain veut qu'il y ait une perspective spirituelle, ce qui fait que les guides spirituels sont importants, sont nécessaires et permettent des éclairages pour donner un sens à sa vie, tout ça. Maintenant,
C'est comme dans tout, il y a des guides qui sont réels, d'autres qui le sont moins, des guides qui ont leurs difficultés, etc. Voilà. Donc juste distinguer, ne croyez pas que parce que c'est quelqu'un qui est de l'Inde, qui est un gourou de l'Inde, qui est nécessairement un maître réalisé. Il y a des maîtres. Alors, souvent, par exemple, ce que des guides, des maîtres m'ont transmis, c'est que lorsque, par exemple, vous en venez dans une reconnaissance profonde de qui vous êtes et de votre essence, et que votre vie créatrice est le reflet de qui vous êtes profondément, ben vous atteignez un stade de maître de création, par exemple, création de votre vie, et puis un autre stade qui est maître d'amour et de compassion, et après, il y a différents types. Et donc, il y a des maîtres d'amour qui sont dans un niveau d'amour tel que vous êtes auprès d'eux et vous ressentez l'amour. Vous ne ressentez pas leur amour comme un amour affectif, vous ressentez l'amour qui s'éveille en vous de façon extraordinaire, mais qui n'ont pas nécessairement toutes les connaissances sur certains sujets. Et ce sont des maîtres d'amour et de compassion, par exemple. Donc voilà, il y a différents types de maîtres. Alors, souvent, évidemment, l'Inde, avec l'approche yogique, qui a permis à ce qu'il y ait vraiment des gens qui atteignent de hauts niveaux de conscience et d'amour, et puis, il y a des gens, pas nécessairement plus aussi, il y a des gens en Occident, il y a des gens en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Amérique, qui ont vraiment de très hauts niveaux de maîtrise. Ce ne sont pas toujours des enseignants, mais ils ont des hauts niveaux de maîtrise aussi. On continue. Et je nous dis, prêtes-tu avoir la gentillesse de nous expliquer ce que sont les portails organiques? Et quel lien peut-il exister entre des portails organiques et des reptiliens? Merci infiniment. Alors, je ne sais pas si je veux entrer dans ça, Régine. C'est une question intéressante. Déjà, le terme portail nous amène vraiment dans une vision extrêmement large, parce qu'il y a différents types de portails. Et aussi, il y a les personnes qui utilisent les termes qui n'ont pas les mêmes définitions des portails. Moi, j'utilise ces termes-là particulièrement par rapport aux autres dimensions d'univers. Et donc, je vais transmettre dans les prochaines années beaucoup d'enseignements et d'expériences. Par exemple, là, on va en Argentine. Après ça, on va aussi aller dans le désert de Gobi ou dans le désert de Atacama. Il y a des portails subtils que j'appelle aussi organiques parce qu'ils sont vraiment, c'est tout ton être et de façon équilibrée qui entre dans un portail, mais tu dois, toi, pour ce faire, être dans un état particulier qui favorise t'entrer dans ce portail. Et le portail, c'est un transit pour moi. C'est un transit, c'est-à-dire que c'est comme un ascenseur, si vous voulez. Hein, quand vous prenez un ascenseur, vous êtes en transit entre deux étages. Alors, souvent, ce que j'ai vu, même à Shasta, par exemple, au Mont Shasta, on entre dans un état, et j'appelle aussi organique parce que c'est tout votre être. Ce n'est pas juste la pensée, ce n'est pas juste les yeux fermés, ce n'est pas juste une sensation. Au niveau du troisième œil, c'est tout votre être qui rentre dans un état particulier et vous êtes transporté dans une autre dimension, ce qui fait que vous pouvez avoir un contact. Quelquefois, il est sensoriel, quelquefois, il est visuel, quelquefois, il est sonore, quelquefois, l'ensemble, avec une autre forme de vie, une vie dimensionnelle autre. Alors, c'est des expériences que j'ai vécues à plusieurs reprises et dans lesquelles je guide aussi les gens. Maintenant, c'est un portail dimensionnel que j'appelle organique. Maintenant, il y a des portails, on va parler de portails reptiliens, des portails par lesquels certaines formes de vie viennent vers nous,
Et des portails qui ne sont pas nécessairement l'ensemble de la vie, mais une énergie. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle d'une autre forme de vie et qui est très différente de la nôtre, qui pourrait être envahissante par moment, peut utiliser certains types de portails pour transmettre des vibrations qui viennent soit influencer. Ça aurait pu être positif, négatif. Généralement, au niveau des reptiliens, on sent que ça va à l'encontre, que ça emprisonne un peu. Donc, ce sont des transits que nous autres, on n'utilise pas, mais qui sont utilisés par d'autres formes de vie ou par d'autres formes d'énergie ou de vibration pour entrer en contact avec nous. Donc, il y a aussi cette notion de transit. C'est comme si vous prenez un train, vous prenez une porte. Et vous arrivez ailleurs. Très souvent, c'est curieux l'exemple que je vais donner. Je ne veux pas banaliser, mais c'est une image intéressante. On voit quelquefois dans Harry Potter, on entre dans un train et on arrive ailleurs. Alors, on a un portail. Le train devient un portail pour nous amener dans un autre niveau de conscience, dans une autre expérience totalement. Alors, il y a des portails organiques qui nous permettent aussi d'aller, par exemple, dans nos vies antérieures, dans nos vies futures, qui nous permettent de rencontrer d'autres êtres. Moi, j'utilise souvent la notion de, on va créer une plateforme. Alors, parce que, pour pas toujours utiliser le mot portail, mais une plateforme très organique, par exemple, dans une relation avec une personne qui est au loin, faut dire, on crée chacun une plateforme. Une plateforme subtile dans laquelle on va se positionner d'abord en état de fréquence élevée, en état d'ouverture et d'union. Je vais sur cette plateforme et je peux entrer en contact sensoriel avec l'autre personne. Alors, quelquefois, je vais utiliser cette plateforme pour guider quelqu'un, pour apporter un éclairage, etc. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à tout ce que vous vouliez dire, Régine. Mais je trouve quand même que cette notion de portail est vraiment intéressante parce que j'utilise beaucoup ces plateformes aussi intérieures pour se transformer pour être plus selon notre nature profonde. Alors, ça aussi, j'appelle ça une forme, c'est pas le mot que j'utilise, mais c'est une forme de portail organique où je vais dans un état de haute fréquence, dans un état d'intimité profonde intérieure, je vais de l'intérieur dans une forme de portail où il y a de multiples facettes, retrouver des aspects très lumineux pour les inscrire de façon naturelle. Donc, je vais guider des gens à utiliser ce genre de portail, que j'appelle aussi un portail organique. Mais je vais utiliser d'autres termes, par exemple comme un temple, pour distinguer avec les portails multidimensionnels. Voilà, j'espère que je suis assez clair. Géo-C1, ça se prononce comment? José, José, qu'est-ce qu'on appelle les imprégnations? Et est-ce qu'elles sont des schémas répétitifs dans notre vie depuis notre enfance? Et comment les points en conscience et les transmuter pour notre mieux-être. Ah bah, écoutez, quand on utilise des mots comme ça, quelquefois je m'aperçois que d'un enseignant, d'un guide à l'autre, il peut y avoir des variances dans les mots. Alors, par exemple, moi je vais dire souvent, il y a chez l'être, il y a des thématiques karmiques et il y a des voyons, j'ai perdu le terme que j'allais dire. Il y a des. C'est pas des imprégnations que j'utilise. Je cherche le mot là. Des inscriptions. Excuse-moi. Je vais utiliser le terme inscription. La différence que je fais, c'est que le thème karmique, lorsque l'âme et l'esprit se manifestent dans la chair, là, du fœtus, eh bien, généralement, par la suite, les thèmes karmiques, certains thèmes, pas tous, peuvent se manifester. Certains, quelquefois, se manifestent à différents moments de votre vie. Par exemple, vous vivez une expérience particulière, assez intense, et il y a un thème karmique qui refait surface. Mais ça peut être quelquefois, quelqu'un est, je sais pas, moi, est adolescent,
Et il vit, il y avait des résistances à être dans une relation amoureuse, intime avec quelqu'un. Et quand il ose aller plus loin, tout à coup, cette résistance devient une peur et quelque chose de très dur. Il y a comme un thème karmique s'est réactivé. Ce que j'appelle une inscription, c'est que ça se manifeste à partir d'expériences, à partir du parcours intra-utérin. On vit des expériences. Pourquoi je dis à partir du parcours intra-utérin? Parce que le fœtus en croissance, il est vivant. Il est vivant et il vit des expériences. Souvent, je vais expliquer, là, je ne vais pas entrer dans des débats de vie où est-ce qu'il y a un vivant conscient. Souvent, je vais parler de la conscientisation âme-esprit avec le corps entre les semaines 10 et 15 de grossesse. Mais par la suite, l'enfant va croître à un rythme plus accéléré et qu'auparavant, lorsqu'il est plus un embryon. Et là, il va vivre non seulement des relations avec sa mère, mais des relations avec l'environnement de sa mère. Donc, il va avoir des sensations de sa mère, mais il va avoir des choses qui arrivent directement pour lui. Et donc, dans l'enfance, ça continue. Donc, ce sont des expériences que l'être va vivre comme, par exemple, une blessure, comme un choc. Et ça peut s'inscrire tout de suite ou quelquefois, c'est dans la répétition que ça va s'inscrire. Par exemple, imaginons que un enfant, pendant la croissance intra-utérine, imaginons que le père transmet différentes reprises qui ne voulait pas d'enfant, qui n'est pas très content. Hein, il va le prendre, mais il n'était pas très content. Eh bien, cet enfant-là, il capte ça énergétiquement. Et puis, imaginons que tout à coup, là, il est enfant et quelques reprises, le père lui dit non, tasse-toi, t'es pas capable. Tu sais, l'enfant veut participer, tasse-toi, t'es pas capable, c'est pas intéressant. Et tout à coup, là, vraiment, il y a une inscription très profonde de rejet de son père. Donc là, le rejet, c'est une blessure qui peut émerger d'une thématique karmique, donc qui était là avant, qui vient d'ailleurs de cette vie. Et l'inscription, l'imprégnation, en fait, je sais pas si c'est ça que vous voulez dire, qui vient de blessures. Alors moi, imprégnation ou empreinte, c'est une empreinte profonde. Alors faut voir dans quel contexte le mot imprégnation est utilisé. Comment les pointer en conscience et transmuter par notre mieux-être, il se manifeste, que ce soit des thématiques karmiques ou que ce soit des inscriptions ou des empreintes qui sont là. Ils se manifestent par les signaux dont je parlais au tout début. Alors, peuvent se manifester par des signaux psychiques, par des insatisfactions, par des récurrences. Et quand on voit ces signaux-là, ben, il y en a tout le temps, ça se manifeste continuellement. On peut se dire, tiens, je vais aller voir qu'est-ce qu'il veut me dire. Ils sont associés à une programmation, c'est-à-dire qu'un programme s'est fait à partir de le thème karmique. Et l'inscription, l'imprégnation va générer un programme. Un programme, ça veut dire que l'être va réagir sans nécessairement observer la chose. C'est-à-dire, imaginons que, si je continue dans l'exemple, que l'enfant est vraiment une empreinte de rejet ou une inscription de rejet à l'intérieur de lui. Alors, il va plus tard, je sais pas, il est dans un groupe, il est rendu adolescent. Ou même adulte, il va dans un groupe et ce groupe-là est déjà constitué. Plutôt que d'aller voir est-ce que je peux me joindre au groupe, déjà il se dit bah non, ils voudront pas de moi. Ils voudront pas de moi. Il va déjà avoir, il n'ira même pas. Il se dira même peut-être pas cela. Ça va peut-être être automatique. Il va essayer de trouver un autre groupe. Il ira pas dans ce groupe-là parce que il y a l'empreinte du rejet à l'intérieur de lui. Alors, éventuellement, un individu décide d'observer sa vie. Donc, je dis éventuellement, à un moment ou un autre d'une vie ou d'une autre, quelqu'un se met à regarder les éléments de sa vie, se dire, ben là, d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait, ça influence, ça conditionne mes pensées, mes états, mes attitudes. Et là, je dis, ben, je veux changer ça et on veut changer le programme en voyant comment
Laisse cet enfant-là, on va dire, où, quand, comment toi tu te rejettes, vois comment tu peux t'accueillir. Donc, à travers la reconnaissance de soi, il peut dire, moi, j'aime telle chose, je reconnais en moi tel aspect, tel aspect, tel aspect, tel aspect lumineux de moi, et j'aime qui je suis à travers ces aspects-là, et il décide de les manifester de plus en plus pour ressentir qu'il y a autour de lui, il va se rendre compte qu'on apprécie ces aspects de lui. Et il va changer sa programmation. Au lieu de se dire, tiens, je suis un être rejeté, pas aimé, il va changer intérieurement en disant, moi, j'accueille des aspects merveilleux de moi et les autres vont les accueillir. Donc, il y a, c'est un parcours, ça, on peut choisir une programmation en un instant, mais on a à la manifester. Vous savez, une empreinte, ça se fait généralement soit par quelque chose d'extrêmement intense, soit par la répétition d'éléments moins intenses. Alors, quand on veut changer la programmation, eh bien, on doit prendre le temps. C'est-à-dire, c'est pas juste une pensée à un moment donné, c'est vraiment prendre le temps de l'inscrire, réinscrire, réinscrire la programmation qui est juste. Est-ce que je réponds à votre question? Vous me le dites. Chantal nous dit, je ne sais plus où retrouver les indications pour travailler avec l'hypothalamus pour supporter les changements de température, s'y adapter. Eh bien, je pense que, en tout cas, dans notre site, elles sont nulle part. Je ne sais pas dans quel livre, là, j'ai une douzaine de livres, je ne sais pas si j'en parle dans les livres, mais je vais vous le dire, tout à fait. C'est simple. L'hypothalamus, d'abord, pour tout le monde, c'est une petite glande qui fait partie de la glande pituitaire. La glande pituitaire, c'est l'hypophyse. Il y a une petite tige qu'on appelle la tige pituitaire et l'hypothalamus. Donc deux glandes qui sont vers le centre de notre tête. Et l'hypothalamus va vous permettre justement de, c'est un peu plusieurs fonctions, vraiment des fonctions importantes, dont le thermostat permettait cette vulgarisation de votre corps, va permettre les ajustements de température, va permettre le rythme respiratoire, le fait que vous respirez sans avoir à y penser. Alors, l'hypothalamus s'occupe de ces éléments-là, entre autres. Je ne vais pas faire un cours sur l'hypothalamus, mais l'idée, c'est que si, par exemple, on est dans un environnement où il fait chaud, imaginez, vous êtes l'été, il fait chaud, vous êtes dans une salle, fermez vos yeux un instant. Ben, ce n'est pas nécessaire de fermer vos yeux si vous êtes centré. Quand je dis fermez vos yeux, c'est pour ne pas vous laisser distraire. Et vous êtes centré et vous posez votre attention sur l'hypothalamus. Posez son attention, votre attention est là, vous pouvez visualiser si vous voulez, et vous, par votre intention, il y a un moment un très court moment de concentration avec une intention. Donc c'est l'intention que vous transmettez qui est de rafraîchir. Alors, vous pouvez sentir quasi immédiatement un changement, une fraîcheur qui se passe à l'intérieur de vous. La réaction peut être extrêmement rapide chez certains, plus lente chez d'autres. Alors, j'ai vécu des expériences avec une trentaine de personnes qui connaissaient absolument pas l'hypothalamus, qui n'avaient pas de notion d'énergie et dont la majorité ont ressenti une fraîcheur. J'utilise souvent ça dans des pays comme si je vais en Égypte, il fait très chaud, dans le désert de Gobi, l'été, il fait très très chaud. On va utiliser ces éléments-là, ou on peut l'utiliser dans une salle en France ou au Québec pour retrouver un équilibre. On peut le faire aussi à l'inverse, quand il fait froid. Lorsqu'il fait froid, une connexion avec l'hypothalamus pour qu'elle favorise un bien-être, une chaleur intérieure et en surface du corps. Alors, il y avait par exemple un temple au Tibet où on apprenait aux moines à gérer leur température. Dans certains enseignements au Québec, là où il fait moins 30, alors j'ai vu qu'en connexion avec les maîtres, j'ai pu enseigner sans bonnet, sans gants pendant plus d'une heure et le corps n'était pas gelé, alors que normalement, à cette température-là, les mains vont geler. Alors c'est vraiment ici une connexion consciente avec l'hypothalamus. Et on peut aussi appeler les guides ou les maîtres pour nous aider à faire cette connexion, surtout quand les températures sont extrêmes. Voilà, c'est simple, hein? C'est simple. Et pourquoi ça ne serait pas simple, la nature? On continue. Merci, Vidad, pour nous dire que le son est très bon. Et Isabelle a dit ma question juste avant Chantal.
Vous avez une question avant Chantal. Alors, je retrouve Isabelle, votre question avant Chantal. Oh, j'ai passé des questions là. Je reviens, j'ai Jacques aussi, je m'aperçois. Je retrouve votre question. Je ne la vois pas, votre question, Isabelle. Est-ce que vous pouvez la réécrire? Les calendriers sont sur les deux sites. Ça, c'est Isabelle, le modérateur. Je ne vois pas votre question avant Chantal. Désolé, là, si Isabelle, qui est modérateur, la voit me dire. J'ai Jacques, j'ai passé la question de Jacques, je pense. Je ne supporte pas de voir comment ma femme, malade d'Alzheimer, devient. Cela me coupe toute envie de vivre, de méditer. Je suis devenu allergique aux enseignements de la pleine lune. Je me sens comme écrasé énergétiquement et très en colère. Que puis-je faire? Alors, ben, je comprends que c'est difficile, pas pour l'avoir vécu, mais pour tout de même avoir côtoyé des gens qui étaient dans cette situation, Jacques, où quelqu'un qui devient Alzheimer vraiment entre dans des états qui sont extrêmement difficiles pour les gens qui accompagnent. La personne, au début, c'est difficile pour elle, c'est épouvantable pour elle, mais à un certain niveau, la personne s'en rend moins compte. Ce qui est important, je ne sais pas à quel niveau est votre conjointe, c'est important, c'est que la personne reconnaît le contact sensoriel. Alors, ce que vous dites, peut-être qu'elle ne comprend pas, vous avez l'impression qu'elle ne vous reconnaît pas, et si vous lui touchez, vraiment avec beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, toucher va et va intérieurement, son être va reconnaître votre présence. Et à ce moment-là, vous pouvez lui parler avec votre cœur. Vous n'avez pas besoin de parler extérieurement. Parler avec votre cœur, ça va passer au niveau de sa conscience. Et c'est une expérience initiatique majeure, tant pour elle que pour vous, Jacques. Alors, ce qui est important, c'est là que par moment, si vous pouvez prendre des moments pour vous ressourcer, s'il y a quelqu'un qui peut si vous accompagner votre femme pour que vous ayez des moments de congé, de ressourcement, pour que ça soit plus léger, pour comme je dirais, respirer dans le sens total du terme. C'est comme si vous êtes là, la douleur, le malaise est tellement grand que je n'avais plus envie de rien entendre. Vous avez besoin, vous, de vous retrouver. J'essaie à travers vos paroles, je me dis, votre vie est loin d'être ce qu'elle était auparavant. Vous avez besoin de retrouver de l'espace, seul, peut-être avec des amis, pour sentir que vous vivez et cette des états de bien-être que vous pouvez retrouver en prenant des pauses comme ça vont certainement l'aider. C'est pas pour fuir votre épouse, c'est pas par lâcheté, c'est vraiment pour mieux l'aider. Tout accompagnant naturel comprend ce que je dis, c'est que à un moment donné, c'est tellement prenant que vous êtes là par amour et en même temps, ça vient vous chercher dans tous les sens. Alors vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin d'espace. Vous avez les moyens de trouver quelqu'un qui la connaît ou trouver, engager une infirmière pour s'occuper d'elle et que vous preniez du temps. Si c'est possible, tant mieux. Ou si quelqu'un ou des personnes quelquefois peuvent vous relayer. Des fois, on n'a pas les moyens d'engager une infirmière, mais on peut avoir trois, quatre personnes qui viennent chacune passer 2 jours et vous allez vous ressourcer. Sachez que reconnaître que c'est un être à part entière, même si au niveau de son incarnation, elle est plus là, elle est plus, vous êtes plus en contact avec elle. Comme je vous dis, vous êtes en contact sensoriel, vous êtes en contact d'âme à âme. Ça peut sembler une épreuve, et c'en est une, mais certainement une initiation pour favoriser une ouverture du cœur à un autre niveau. Vous savez, c'est le genre d'expérience duquel un être ressort avec un niveau d'amour incroyable, mais osez vous offrir, vous, des moments de ressourcement. Je n'ai pas de solution à cette situation. Je peux juste vous dire que je vous comprends et qu'il est important que vous puissiez avoir une vie aussi.
Élise, j'ai ma fille qui a coupé tout lien et me dit plein de choses très désagréables. Comment je dois me comporter suite à ça? Je te remercie. On a beaucoup de mères et de pères qui m'écrivent avec une situation relativement similaire. Alors, il y a plusieurs raisons à tout cela. C'est important. D'abord, qu'est-ce que je peux faire? Ce que vous pouvez faire, c'est d'abord de vous honorer. Ça, c'est important. Ce que vous transmet votre fille a besoin d'arriver dans un espace où vous honorez vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le temps de voir, de contacter qui vous êtes aujourd'hui, votre beauté, votre lumière, et être dans une relation profonde de reconnaissance de qui vous êtes. Ça commence comme ça parce que si vous, avec vous-même, vous n'avez pas créé cette relation de reconnaissance, eh bien, de l'extérieur, quelquefois, c'est des situations, des événements, là, c'est votre fille, mais de partout, ça peut venir puis vous déséquilibrer. Donc, où que vous soyez, qui que vous soyez, vous n'êtes peut-être pas satisfait de tout ce que vous avez fait dans votre vie. Et placez-vous aujourd'hui, face à vous-même. Reconnaissez-vous qu'est-ce que vous ressentez de juste, de lumineux. Faites le choix d'aller progressivement vers le meilleur de vous-même. Cette relation saine, sans culpabilité. La culpabilité ne vous aide pas. Voyez clair, voyez juste en vous. Qu'est-ce que vous êtes qui fait sens pour vous? Qu'est-ce que vous êtes que vous trouvez beau? Qu'est-ce que peut-être vous avez fait que vous ne feriez plus de la même façon? Mais ça, c'est le passé. Ce qui est important, c'est que vous voyez différemment. Ayez cette relation vraie, lumineuse avec vous-même. Et votre fille, parce qu'elle vous transmet désagréable, devient comme un signal pour vous dire, c'est important que vous ayez cette relation. Maintenant, après ce qu'elle vous dit de désagréable, voir qu'est-ce qui résonne en vous. Il peut y avoir plusieurs raisons, vous savez. Je ne connais pas toute la situation en deux lignes, je ne peux pas. Mais il se peut que votre fille soit une personne équilibrée et que, comme souvent cela se passe à différentes périodes de la vie, par exemple vers la fin de la vingtaine, 27, 28, 30 ans, ou des fois plus tard, dans la cinquantaine, il y a des recherches que la personne fait en soi, il y a des blessures qu'elle rencontre, et souvent, la personne veut régler un peu ses comptes. C'est pas la façon que j'enseigne, mais je peux les guider autrement, mais c'est peut-être ça qu'elle vit, régler ses comptes pour vous dire, voilà, vous n'avez pas été à hauteur, vous avez fait ci, vous avez fait ça, et vous le faites encore, etc. Elle vous accuse. Elle vous parle par ses accusations, elle vous parle d'un malaise qu'elle vit. Alors, souvent, c'est une projection vers l'autre, et il se peut que vous dites, c'est vrai que j'ai fait ça, c'est vrai que je n'ai pas été à la hauteur, maintenant j'ai changé. Alors, ne culpabilisez pas, et si vous n'êtes plus dans cette optique-là, ben, si ça vous touche, puis ça vous met vraiment mal à l'aise, parce que vous voyez, est-ce qu'il y a des éléments qu'elle vous dit désagréables, que vous dites, mais elle a raison, par exemple, imaginons, je peux imaginer n'importe quoi là, imaginons qu'elle vous dit, vous êtes une saprée menteuse, et que ça vous touche profondément, et que vous savez que vous utilisez des mensonges. Et si ça vous touche comme ça, vous pouvez vous dire, tiens, c'est vrai, je n'ai plus envie de ça. Et ça vous aide, vous pouvez le voir comme une aide à vous transformer. Vous n'avez pas besoin d'y répondre, vous pouvez lui répondre, voilà, il y a des éléments qui sont justes et je vais transformer les choses. Ça, c'est votre choix. Si par contre, elle vous dit des trucs comme ça et vous ne mentez pas, vous n'avez pas menti, vous pouvez lui répondre aussi. Écoute, je ne sais pas d'où vient ce jugement de moi, mais moi, je suis à l'aise avec qui je suis, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Et si tu veux me parler de qu'est-ce que tu considères un mensonge, alors vous pouvez avoir ça, mais elle a coupé les liens. Et faites-le vibratoirement, c'est la couper les liens. Première étape, la relation avec vous-même. Enlevez les culpabilités tout en voyant, par exemple, à tel âge, ma façon d'être, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Donc,
Ce qui est important, c'est où vous en êtes aujourd'hui, créer votre relation. Deuxième élément, c'est la couper ses liens, créer un lien à l'intérieur de vous, vibratoire, c'est-à-dire vous pouvez la voir. La première chose, voyez-la heureuse. Voyez-la heureuse. Vous pouvez faire des images, je passe à l'écran intérieur. Voyez-la heureuse seule dans sa vie. Voyez-la heureuse avec un ou une partenaire dans sa vie. Voyez-la heureuse auprès de vous et transmettez-lui, voilà, que vous la voulez heureuse. Vibratoirement, ça va passer vers elle. Elle va peut-être pas faire ces changements, mais ce qui est important, c'est que vous, dans votre cœur, dans votre esprit, c'est ce que vous voulez pour votre fille, et gardez les portes de votre cœur ouvertes, parce qu'elle va changer les choses. Au cours de sa vie, il y a des choses qui vont changer. Ça, c'est un épisode. Alors, quelquefois, la personne coupe des liens, ils ne sont pas totalement clés, elle veut régler ses comptes, elle n'est pas contente qu'il s'est passé ceci, cela. Vous pouvez aussi toujours lui transmettre, voilà, il y a des choses, on peut se parler de cœur à cœur, et de telle sorte qu'on se comprenne et qu'on pense les blessures. Alors, vous savez, vous ne pouvez pas forcer sa porte, mais vous pouvez lui dire que votre porte est ouverte pour se parler avec respect, se parler avec le cœur, se parler comme deux femmes peuvent se parler. Et vous, ce que je vous suggère, restez dans votre cœur, ayez votre relation, vous la voyez, n'insistez pas pour lui dire intérieurement toujours plein de choses si elle veut couper ce lien. Mais si elle coupe le lien et elle vous dit des choses désagréables, c'est que son lien n'est pas coupé là. Parce que si ce lien était coupé totalement, elle ne vous parlerait plus. Elle est mal, elle vit un malaise profond, et à travers ce qu'elle vous dit, elle vous transmet, elle le projette peut-être sur vous, mais elle est en train de vous dire, voilà. Et quelquefois, c'est une façon de vous dire qu'elle a besoin d'aide, mais pas comme vous l'avez fait dans le passé, elle a besoin peut-être que vous entendiez. Il faut dire, je t'entends, je ne suis pas d'accord avec tout, mais je t'entends, et on peut en parler. Voyez-vous, elle vous lance quelque chose, peut-être que c'est une bouée qu'elle veut. Dans d'autres cas, la personne est déséquilibrée. J'en ai vu souvent depuis quelque temps où la personne est déséquilibrée, peut-être déséquilibrée par l'alcool, peut-être par les drogues, peut-être par un mal fonctionnement au niveau intérieur, peut-être par un environnement où on projette la faute sur vous. Alors, c'est difficile dans un cas comme ça de pouvoir vraiment aider, mais si elle est en déséquilibre, c'est la même chose pour vous. Dites-lui que vous voulez être dans votre cœur puis avoir une relation de cœur. Si elle n'est pas prête maintenant, elle le sera un jour. Alors, José revient avec les imprégnations. Et est-ce qu'elles sont des schémas répétitifs dans notre vie depuis notre enfance? Comment les... Ah oui, ça j'ai répondu à ça. À Chantal aussi. France nous dit, comme Jacques, mon père et moi avons du mal avec la maladie de vieillesse de ma mère, démence sénile ou Alzheimer. Très dur d'accepter le changement que la maladie opère dans son comportement. Pourtant, il y a des choses parfois positives. Elle parle plus librement, par exemple, mais voilà, avoir perdu ses repères petit à petit, c'est dur à accepter. Je peux être que compassion avec vous, avec votre maman. C'est extrêmement difficile, ces étapes de démence, de Alzheimer. Et c'est important de vous réunir, vous êtes avec votre père et prenez des moments, alternez, je répète ce que j'ai dit à Jacques, alternez, je veux juste dire, c'est pas un manque d'amour de prendre du temps vraiment pour vous à l'extérieur de ça, même si ça peut être un étranger qui s'en occupe, c'est dur, je sais, c'est dur de faire ça, c'est dur de vivre un moment, et c'est important parce que c'est dur, et en même temps, le ressourcement que ça vous donne, ça va vous permettre là, d'offrir encore davantage
quelque chose qui est de vous. Parce qu'à un moment donné, vous vous perdez vous-même, vous perdez là, c'est trop dur et ça crée une perte de sens. Alors, pendant que vous prenez les congés à l'occasion, le lien n'est pas coupé, vous êtes en lien. Alors, c'est un lien vibratoire, l'amour que vous avez pour votre mère, l'amour est là. L'accompagnement des proches aidants, c'est tellement exigeant. Et en même temps, vous savez, si elle est dans une. Des fois, il y a des maisons qui peuvent les accueillir et où vous pouvez les visiter régulièrement. Ce qui importe, c'est que vous puissiez être bien, que vous puissiez vous maintenir dans votre cœur, vous maintenir en équilibre pour l'aider du mieux qu'il faut. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut la placer. Je veux dire, ce que vous allez choisir est juste. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vous maintenir en équilibre dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, pour mieux les accompagner au niveau de l'amour, d'abord et avant tout. Voilà, il y a des gens qui s'en occupent et qui sont toutes là, mais qui leur vie n'a plus de sens et qui deviennent maussades et qui deviennent et qui n'en peuvent plus, qui ne sentent plus l'amour, mais qui sentent le devoir seulement. Eh bien, c'est pas mieux que de placer la personne et d'avoir une relation d'amour. Vous savez, c'est pas à moi de dire ce qui est le mieux. Ce que je peux vous dire, c'est ce qui est le plus important, c'est la relation de cœur. Vous le savez d'ailleurs. Alors voilà, le son disparaît, revient. Nathalie nous dit, comment sait-on si une décision que l'on doit prendre est bonne? Comment aller de l'avant si on sait que ça va mettre une autre personne dans une situation précaire et va lui causer du tort? Alors ça, c'est une question importante. J'avais noté vous parler de décision aujourd'hui dans un cadre de renouveau. Mais là, dans votre question, il y a des éléments importants là, différents. C'est-à-dire qu'une décision qui met quelqu'un dans une situation précaire va lui causer du tort. Essayons d'imaginer une telle situation. Si votre décision elle est juste, elle est lumineuse, elle est amoureuse de vous, si elle est tout à fait en équilibre et en harmonie avec vous, normalement, on ne causerait pas du tort, mais ça peut être. J'avais vu des gens l'autre fois qui, justement, voulaient être vrais. On venait leur demander de préciser ce qui s'était passé et leur décision de dire la vérité faisait en sorte que l'autre se retrouvait culpabilisé. C'est un peu en disant la vérité, et bien, la faute retombe sur l'autre et l'autre était puni pour ça. Mais en fait, ce qui est important, c'est que vous sentiez juste dans votre cœur, c'est-à-dire que causer vraiment du tort, c'est que volontairement, gratuitement, faire quelque chose ou dire quelque chose qui n'est pas juste ou qui ne sert à rien. Si vous dites de quelqu'un que cette personne est une tricheuse, que cette personne fait des comportements et c'est pas vrai que vous le faites pour faire du tort. Évidemment, là, dans la loi du retour, vous attirez des choses pas intéressantes. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas juste et que ça ne vous concerne pas, vous n'avez pas besoin de le dire, mais si ça vous concerne et que vous avez à prendre une décision, je pense par exemple, je sais pas moi, vous travaillez, vous avez une associée, une employée, et vous avez à prendre une décision, et la décision juste, c'est que elle ne travaille plus avec vous parce que vous apercevez qu'elle n'y arrive pas, elle n'a pas les compétences, ça ne sert pas, mais qu'en la remerciant, ben, ça lui cause du tort parce qu'elle n'a plus son salaire, elle va avoir de la difficulté à se trouver un emploi, et ça la met vraiment en difficulté. Eh bien là, on est dans une situation difficile. Ce que je vous propose, c'est d'en parler, de lui dire, écoute, je m'aperçois que tu n'as pas les capacités, tu n'y arrives pas, etc. On s'en va vraiment vers une transformation.
ça ne pourra pas fonctionner, à moins que au Québec, on va dire, tu prends les bouchées doubles, c'est-à-dire que tu vas de l'avant pour corriger des choses, si tu aimes ça profondément. Je me souviens, il y a longtemps, j'avais des employés, il y a très longtemps, dans une entreprise, alors que j'étais plutôt dans la gestion, et il y avait une personne que j'avais remerciée parce que je voyais bien que c'était. Oui, elle avait un salaire qu'elle faisait vivre, mais en même temps, c'était pas du tout son milieu. Alors, ce que je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, c'est pas vraiment ta place, ce travail, c'est pas vraiment ce travail. Ça a l'air dur, ce qu'on va faire, c'est te remercier, mais en même temps, je t'invite vraiment à découvrir qui tu es, puis à essayer de trouver quelque chose qui est plus près de toi, plus près de ce qui ressemble à ce qui te fait vibrer, à tes talents, à tes qualités. Alors, donc, oui, je ne pourrais pas dire que je lui faisais du tort, mais je voyais bien que ce serait difficile pour elle. Alors, ce qui est important, c'est que vous réalisiez que votre décision, elle est lumineuse aussi. Quelquefois, vous savez, moi, j'ai des gens qui ont pris des décisions qui m'ont jeté à la rue. Vraiment, et pendant des années, j'étais à la rue, j'étais pauvre, très pauvre pendant des années. Et leur décision a collaboré à ça directement, directement. Mais en fait, cette période qui a été difficile au début, ça a été une période où je me suis retrouvé moi-même. Et cette période, ça a fait en sorte que j'ai complètement délaissé le milieu pour lequel j'avais fait toutes mes études, quoi. J'avais des diplômes universitaires, même un master, et j'ai laissé complètement ça parce que je me suis aperçu que malgré mes compétences, j'avais des compétences, des capacités, des expériences, mais à la fois, je n'avais pas un élan profond pour ça. Et donc, oui, ces gens, ça a causé du tort. Il n'y avait pas de raison parce que j'étais compétent, mais il n'y avait pas de raison. Mais en même temps, ça m'a aligné à être qui je suis. Alors, c'est toute cette notion, qu'est-ce que ça veut dire causer du tort? Ce que je vous invite, c'est d'en parler avec la personne aussi, de pas tout à coup retarder la décision, pour tout à coup prendre la décision sèchement, lui dire que vous êtes dans ce processus-là, que l'autre peut se préparer et que l'autre, que vous puissiez avoir. Pas que ce soit comme une gifle, mais que ce soit comme une orientation dans cette décision. Alors, le son est bon, mais l'image fixe quelques instants, donc pas de souci. Merci, Eric. Alors, ça peut être aussi votre connexion. Je pense ici, on m'a pas avisé que ça fixait. Donc, on a une connexion assez forte ici. Il n'y a pas d'orage cette fois, comme ça a déjà eu lieu. Alors, Eliane me dit. Qu'en est-il des vedettes décédées dont des images vidéo, films continuent à exister sur Terre? Idem pour chacun de nous. Cela a-t-il des conséquences sur l'après? Eh bien, c'est une question intéressante, fascinante même. Je pense que tout est uni. Il n'y a pas vraiment de séparation. Votre existence ici, dans cette vie, fait partie de l'ensemble de ce que vous êtes, même si vous êtes ailleurs, dans un transit ou dans une autre vie, ça fait partie d'où. Est-ce que c'est une conséquence immédiate, instance, parce que quelqu'un voit une image de vous et ça la met en colère? Je ne pense pas qu'il y ait une conséquence directe. Comme même sur Terre, quand vous êtes vivant, il n'y a pas toujours une conséquence directe. Par contre, ça fait partie de. Si on veut, ça fait partie de l'ensemble de ce que vous êtes, du bagage général. Il y a votre bagage immédiat, comme actuellement vous êtes sur Terre, il y a le bagage avec vous êtes, donc votre essence, votre nature, les expériences que vous avez, les réactions, les influences qui sont encore vivantes, et puis les influences que vous avez laissées aller. Donc, si par exemple, je sais pas, il y avait des influences qui faisaient que certains comportements. Vous les avez laissés, ben le passé est là, mais le passé a généré qui vous êtes maintenant, mais tout est là. C'est-à-dire que, comment je pourrais dire, si vous avez fait des gestes il y a 20 ans que vous ne feriez plus aujourd'hui,
dont vous n'êtes pas contente, mais vous avez transcendé ça, vous n'êtes pas contente, ben, ces gestes et leurs conséquences ont contribué à faire qui vous êtes. Donc, ça fait partie de l'ensemble de qui vous êtes. Alors, tout existe, mais tout existe en mouvement et donc se transforme. Alors, si je pense que s'il y a des images et des vidéos, des films sur des vedettes ou n'importe qui honorent pas l'être, je pense que c'est pas nécessairement juste, mais on en voit sur des images, par exemple, de guerre où des gens sont plus vivants, puis on accuse encore leurs gestes parce qu'ils ont été horribles. Mais en même temps, ça peut favoriser de l'évolution de ceux qui sont vivants et ça va pas créer une lourdeur de l'esprit qui est ailleurs. Le geste ou ce qu'il a fait a déjà eu ses conséquences, ses effets aussi sur l'être. Donc, si aujourd'hui, par exemple, je pense à un film où on présente des accusés de guerre, de la dernière Grande Guerre mondiale, où il y a eu des choses horribles, je ne pense pas qu'on rajoute des poids. Le poids était déjà là avant même qu'on le découvre. C'est-à-dire, si par exemple un individu tue un autre individu, le poids est déjà là. Même qu'on le découvre ou pas, et qu'on en parle après sa vie ou pas, le poids est déjà là. Il y a quand même des incidences dans l'ensemble, c'est-à-dire que si on parle en mal d'un individu après sa mort, si on parle en mal, on parle en mal de certains gestes. Si c'est faux, ça n'aura pas d'incidence. Si c'est vrai, ça vient comme stimuler une lumière pour la transformation de cet individu. Alors, de façon générale, je trouve que quant à des vedettes ou des individus, on a avantage à voir s'il y a des choses négatives, à voir qu'il y avait des blessures, il y avait des croyances qui ont influencé cet individu-là, plutôt que de voir ça en mal. Je pense qu'on peut toujours se contribuer entre nous à voir les aspects lumineux d'un être. Marie-Simone, j'ai participé à accompagner avec ses proches un ami jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, pouvez-vous me conseiller pour ma présence accordée auprès de son épouse? Eh bien, oui, ça dépend de l'état de son épouse. Vous avez accompagné cet individu-là. J'imagine que vous avez accompagné ses proches aussi. Alors, ça dépend, ça fait combien de temps, etc. Et ce qui est important, c'est de voir, d'aider la personne à trouver un sens dans tout cela, à lui transmettre, à ce qu'elle sache que l'être vit toujours, il vit sous une autre forme, c'est triste, ça peut être difficile, c'est dans l'amour profond, puis dans ce qu'ils vivent ensemble, il reste toujours que l'amour, lui, ne meurt pas, l'amour véridique ne meurt pas. Donc c'est important de mettre ça en lumière pour l'accompagner, c'est important de lui dire que si elle avait quitté, elle souhaiterait que son conjoint puisse avoir une vie agréable. Évidemment, quand vous pensez quitter, vous souhaitez pas que les gens autour de vous soient indifférents, mais vous souhaitez qu'ils puissent continuer leur vie, qu'ils puissent vivre bien, vivre des beaux moments, être dans la joie. Donc, ça, c'est sûr. Faites juste penser à qu'est-ce que vous voulez, vous, si vous quittez. Comment vous voulez que votre conjoint, vos enfants, vos proches vivent. Vous êtes touché qu'ils soient concernés et à la fois vous voulez qu'ils soient bien. Donc, vous pouvez guider, accompagner son épouse dans ce sens, à son rythme, bien sûr. Il ne s'agit pas d'aller vers la surface. On peut la guider. Quelquefois, des gens s'égarent dans des choses superficielles pour oublier, quoi. Et en même temps, je ne vais pas condamner ça. Il n'y a pas à critiquer quoi que ce soit. Il y a des gens pour lesquels c'est si insupportable que pendant un moment, ils vont prendre de l'alcool, ils vont s'évader à gauche et à droite. Et on peut comprendre que la blessure ou la tristesse est profonde.
Et dans la suggestion, ce n'est pas ça nécessairement qu'on va suggérer, parce que la personne voit maintenant où elle en est avec elle-même, c'est quoi sa vie, et qu'est-ce qui, là où elle peut retrouver un sens à se nourrir si cette union était profonde. Mais la joie peut venir de d'autres choses, la joie peut venir du ressourcement, la joie peut venir de l'émerveillement. C'est important que elle n'est pas le départ de l'autre. On peut se souvenir de beaux moments. Par exemple, on s'est émerveillé devant des montagnes, un lever de soleil à tel endroit. Et en même temps, il ne faut pas continuellement essayer de retrouver des joies qui viennent de joies qu'on a vécues avec l'autre. Et tout ça dans une progression, ça dépend de chaque personne. Donc, surtout, le plus important, c'est que la personne puisse choisir de vivre et d'oser aller vers des joies. Je ne parle pas de plaisir, si elle veut ça, elle veut ça, mais je parle d'aller vers des joies profondes de la vie, comme de l'émerveillement, les sensations de la vie, les ressourcements, aller vers ces joies-là et aussi vers la joie d'être elle, retrouver comment elle peut collaborer à la vie à partir de ses qualités, pour que sa vie fasse sens. L'important, c'est que sa vie fasse sens pour ne pas sombrer dans la dépression. Eric nous dit, oui, la peur en cette période est vraiment quelque chose d'énorme. Dans mon cas, je me réveille pratiquement toutes les nuits vers 3 heures et dans la terreur, parfois d'autres, dans les angoisses, d'autres calmes, mais c'est plus rare. Alors, ben oui, c'est important ce phénomène. Là, au tout début, j'ai parlé de situation d'état récurrent. Là, il y a toutes les nuits vers 3 heures, vous vous réveillez dans un état de terreur. Alors, évidemment, là, ce qui est intéressant, c'est de trouver l'espace pour vous calmer à travers peut-être des exercices respiratoires, des exercices énergétiques. Quelquefois, il peut y avoir une musique ou une guidance. Une guidance du système nerveux pour qu'à ce moment-là, vous puissiez retrouver du calme. Maintenant, quand vous n'êtes pas dans la terreur, ce n'est pas quand on est dans l'angoisse ou la terreur qu'on peut le mieux agir. Là, il faut agir pour détendre et calmer cela. Mais quand vous ne l'êtes pas, par exemple, durant le jour, regardez, tiens, est-ce que vous avez des indices à travers soit un rêve ou une pression qui est exercée sur vous, de votre subconscient, votre inconscient, qui fait en sorte que vous vous réveillez. Essayez de voir, est-ce qu'il y a des images, est-ce qu'il y a des pensées particulières, pour essayer de voir d'où elles viennent. Qu'est-ce que vous contactez? Est-ce que vous contactez des mémoires? Est-ce que vous contactez des blessures qui ont convergé? Là, il y a une convergence de blessures. Est-ce que vous captez des schémas collectifs qui pèsent sur vous? Est-ce que, pour essayer de voir, tiens, comment vous pourrez, pas la nuit, mais le jour, quand vous posez votre attention là-dessus, vous préparer. Par exemple, souvent, je vais dire, il y a le parcours de préparation, non, la préparation au parcours nocturne cosmique. Alors, cette préparation, elle va dans plusieurs sens. D'abord, au moins 1 heure, sinon 2 heures avant d'aller dormir, la suggestion, c'est qu'il n'y ait pas de pensée sur les problèmes. Pense pas à ces difficultés ou aux difficultés du monde. Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une indifférence, mais c'est une période de détente. De détendre physiquement, psychiquement, avant d'aller dormir. Ça a l'air curieux. Oui, je me repose avant d'aller dormir pour permettre un sommeil qui sera une évolution, c'est-à-dire à la fois un repos et à la fois un parcours évolutif. Alors d'abord, on fait comme ça. Donc vous pouvez vous détendre. Pour certains, vont aller marcher doucement, en étant en contact avec leur corps. On peut marcher durant les 2, 3, 4 premières minutes. J'imagine les muscles dans mes jambes, dans mes bras, dans mon corps, qui sont en mouvement, mais à un rythme qui est juste. Alors,
Pour certains, ce n'est pas trop juste avant de dormir, c'est 2, 3 heures avant. On peut avoir une marche rapide pour stimuler le corps pour après ça se reposer, se détendre en écoutant de la musique, en écoutant une guidance ou en regardant des images qui nous inspirent, des choses comme ça. Donc, se détendre. Puis juste avant, lorsqu'on s'allonge, juste avant de dormir, le processus, c'est commencer à imaginer comme une pluie de lumière, des gouttelettes blanches bleutées d'énergie, mais comme une pluie de lumière qui descend sur vous, qui pénètre votre corps et qui vient comme créer vraiment un mouvement de fluide à l'intérieur de vous. Je fais ce mouvement-là. Pourquoi? Parce que je vous dis en même temps, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une respiration naturelle. Placer sa respiration. J'inspire. Doucement, sans effort, au plus profond de mes poumons, mon ventre se gonfle. Après ça, ma poitrine s'ouvre. Un petit moment de suspension et j'expire. Alors, de façon très fluide, alors le ventre gonfle, la poitrine s'ouvre un peu, les épaules se détendent. Il y a une seconde où le souffle, hein, il y a un transit entre l'inspire et l'expire. Et donc, ça fait un mouvement comme ça dans le corps où le ventre gonfle et se dégonfle. Et en même temps, on voit cette pluie de lumière, une lumière qui est fluide à l'intérieur de nous. Et quand on s'imagine, je dis ça, c'est plus long de le dire que de le faire. Et après, quand le corps est rempli de cette lumière, on imagine que ça continue. Ce sont nos corps de lumière tout autour de nous qui se remplissent de cette couleur blanche bleutée. Et là, déjà, là, quand on regarde ça, qu'on imagine ça, on commence à s'apaiser vraiment beaucoup. Et puis, on imagine tout à coup une silhouette, un faisceau, une silhouette lumineuse qui s'élève, comme si notre esprit allait s'élever quand on va s'endormir pour voyager. Et on peut lui faire une proposition, tiens, j'aimerais découvrir des êtres sereins, j'aimerais découvrir des environnements paisibles ou enchanteurs, j'aimerais découvrir, mais pas un désir là acharné, mais on peut demander à son esprit, tiens, j'aimerais découvrir des sensations d'amour profond, donc comme ça. Et puis on peut par la suite, vraiment, on se laisse aller. Généralement, les gens qui pratiquent ça ne se rendent même pas à la demande à l'esprit, ils sont déjà endormis. Alors, l'intention est là, tu sais, je me dis, tiens, je m'allonge, je vais demander à mon esprit, tu sais, cette nuit d'aller visiter des paradis sereins. Et là, je commence le processus et finalement, je vais t'endormir avant que ça passe, avant de le dire, de faire ma demande, même de visualiser la silhouette de lumière. Et ça permet vraiment une détente et ça permet aussi que la nuit, il y ait un véritable parcours spirituel. Parallèlement, le jour, on peut regarder, tiens, quand il y a ces réveils, qu'est-ce qui est en jeu? Est associé à quoi ce malaise? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pendant qu'on le vit qui est le plus facile, mais je peux observer la prochaine fois, c'est quoi? Puis le jour, tiens, d'où ça vient tout cela? Oui, Eric ajoutait, c'est qu'il finit par me rendre malade et m'empêche de vivre. Alors, c'est d'autant plus important de faire ce parcours pour voir, tiens, qu'est-ce qui génère cet état de panique? Vraiment, procéder de découvrir. Il y a peut-être par la suite un regard à changer, des éléments que vous pourrez ajouter dans votre vie pour changer ça. Sonia nous dit, certaines peurs viennent de vie antérieure. Dans ce cas, peut-on s'en détacher définitivement? On peut se détacher définitivement des peurs. Et toutefois, ce n'est pas parce qu'on veut s'en détacher définitivement, ce n'est pas parce qu'on croit qu'on est détaché définitivement qu'elles le sont. Mais c'est possible. Alors, souvent, ce que j'ai œuvré beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les vies antérieures, jusqu'à vraiment constater, je vais dire, c'est peut-être une évidence, que les thèmes de vie antérieure qui s'éveillent dans cette vie, se manifestent dans des expériences de cette vie. Donc, ce sont des peurs qui viennent des vies antérieures. Elles ont aussi leur relation
Ici, généralement, par exemple, si dans une vie intérieure, vous avez eu, il y a des peurs d'être battu, de souffrir, dans cette vie, bah, la peur de souffrir est là, puis il y a des événements, des situations qui la relèvent aussi. Alors, le même processus que j'ai expliqué au tout début, c'est-à-dire de voir de quoi vous parle cette peur, parce que c'est pas qu'on vit dans un continuum. La peur peut avoir une origine dans une vie antérieure, mais si elle est présente aujourd'hui encore, c'est qu'elle se nourrit de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des événements, des situations, des états, des attitudes, des façons d'être. Il y a quelque chose qui fait en sorte que cette peur a encore une emprise. Sinon, s'il n'y avait plus rien, ça ne pouvait pas être nourri quelque chose. Mais déjà, je vous donne un exemple. Si, imaginons que vous aviez cette peur, c'est une peur horrible d'animaux qui étaient dans une vie antérieure où il y avait, je sais pas, des crocodiles, des lions, des choses, des grands animaux qui pouvaient vous attaquer dans votre demeure, etc. Et durant toute votre vie, vous avez eu cette peur-là. Vous renaissez en Occident, il n'y a plus ces animaux-là. Et là, vous pouvez vous dire, tiens, ces animaux maintenant, c'est quoi? Ça n'existe plus. Toutefois, s'ils sont encore là, il y a quelque chose qu'ils symbolisent. Ça peut être d'autres formes d'animaux, des araignées, des serpents, etc., qui sont plus dans votre environnement. Mais aussi, ça peut être aussi des situations qui sont représentées par ces crocodiles ou ces serpents. Peut-être des situations où vous sentez surveillé, où vous sentez manipulé, qui utilisent ces animaux-là, qui comme ce sont des représentations. Alors, il y a quelque chose dans votre vie, parce que s'il n'y avait rien, il ne se présenterait pas. Alors, s'il y a quelque chose, essayez de voir dans cette vie actuelle, de quoi vous parle cette peur-là et qu'est-ce que vous pouvez transformer pour justement faire en sorte qu'il y ait une dissolution définitive. Et généralement, il y a un programme associé à ça, il y a un changement de programme. Voilà. Eric nous dit très difficile, j'ai beaucoup de guérisseurs, mais pour le moment, rien ne fonctionne. Alors, vous avez beaucoup vu de guérisseurs. Alors, oui, je comprends. Et c'est pourquoi je ne vous ai pas parlé, Eric, de voir un guérisseur. J'ai parlé, vous, d'observer qu'est-ce qui émergeait dans cette. Lorsque vous vous réveillez, encore une fois, je parle de signaux, quelque chose, une situation récurrente extrêmement difficile qui est en train de vous rendre vraiment malade, qui veut vous dire quelque chose à transformer. Et je ne sais pas, les gens que vous voyez, j'aurais tendance à vous dire plutôt qu'un guérisseur, quelqu'un qui vous accompagne. Vous pouvez le faire tout seul, mais quelquefois, quand vous êtes pris dedans, c'est difficile, quelqu'un qui vous accompagne à aller à travers ça dans le parcours que je propose. Tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les images que vous avez? C'est quoi les sensations? La terreur, mais terreur de quoi? Quelqu'un qui va vous pousser à être, oui, dans la sensation, mais à capter aussi davantage ce qui se passe pour aider à voir quelle est la source de ça pour, après ça, voir comment on va se distancer, voire dissoudre cette source-là. Brigitte, je ne ressens rien au niveau du cœur. Comment arriver à me connecter? Eh bien, commencez à vous connecter avec ce que vous aimez de vous. Commencez par là. Qu'est-ce que vous aimez de vous? Quels aspects vous aimez? Sans vous comparer à qui que ce soit. Par exemple, vous pouvez dire, j'aime ma qualité d'écoute des autres. J'aime de moi un regard observateur. J'aime de moi ce côté de spontanéité, l'enfant qui veut jouer. Commencez par identifier ce que vous aimez de vous. Puis, ce que vous aimez de vous, assurez-vous de faire en sorte que cela peut être vraiment présent dans votre vie. Là, déjà en faisant ça,
Vous êtes vraiment dans une connexion avec vous-même. Alors, ça va permettre que vous ayez des sensations, des émotions de plus en plus aussi agréables, des sensations de joie, de bien-être avec vous-même. Et ça va vous amener vers une connexion au niveau du cœur. Donc, je parle de reconnaissance de vous. Le cœur, la blessure fondamentale du cœur, c'est la non-reconnaissance ou la difficulté de se reconnaître. Parce que la reconnaissance, en général, les gens le voient surtout par rapport à l'extérieur. Je cherche à être reconnu, je cherche à être reconnu professionnellement, je cherche à être reconnu comme quelqu'un de bien, d'agréable, de joyeux dans ma vie. Je cherche une reconnaissance des autres. C'est souvent ça qu'on a appris. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est aller voir qu'est-ce que vous reconnaissez de vous. Parce qu'en vivant ce parcours, qu'est-ce que vous aimez vraiment de vous? Mais comparez-vous pas. Parce que si vous comparez, vous allez dire, par exemple, oh, j'aime ma qualité d'écoute, mais en fait, je n'ai pas une si bonne qualité comparativement des gens. Je connais des gens, c'est beaucoup mieux. Et là, vous êtes dans la comparaison. Alors que vous supposez, la qualité d'écoute que j'ai, je l'aime. J'ai envie même de l'utiliser davantage, ce qui va l'éveiller, l'ouvrir. Et là, vous entrez dans le début vraiment de la connexion avec vous-même pour augmenter la sensation. Sonia nous dit, ce qui finit par me rendre malade, ça c'est de Eric. D'après Serge Boutboul, durant la nuit, nos corps subtils vont travailler sur des plans subtils et ça nous réveille vers 3 h du matin. Voilà, si Serge dit ça, ça va. Et je ne veux pas commenter ce qui vient des autres, c'est intéressant ce que vous dites. En fait, les corps subtils restent là, mais en fait, il y a des éléments qui sont en contact avec vous que lorsque vous dormez, alors là, ces éléments-là se mettent souvent en branle. Alors, peut-être qu'il y a des peurs subtiles, des relations avec des éléments subtils, que lorsque vous êtes dans la journée, que vous êtes dans l'activité, centré sur des choses, vous ne captez pas ce qui bouge. Et là, effectivement, ça se manifeste durant la nuit. Merci de votre commentaire. Véronique, j'ai du mal à comprendre le triangle de force. Est-ce la spirale vers le bas et puis vers le haut qui renforce l'aura? Non. Ce n'est pas vers le haut, vers le bas. L'idée. Le triangle de force, par le triangle, je lui donne une forme. Vous voyez d'abord l'essence, parce que le piège dans ça, c'est d'être plus dans le format que dans le sens profond. Le sens profond, c'est que votre énergie circule en vous, et en circulant en vous, elle génère des vibrations. Donc, vous vibrez. Vos vibrations transportent tout ce que vous êtes. Donc, par tout ce que vous êtes, vous attirez des choses ou vous êtes attiré vers d'autres et des choses viennent vers vous. Alors, comment commence avant d'être au triangle de force? Qu'est-ce que je suggère? Je suggère ce que j'appelle la fusion des trois corps. La fusion des trois corps, c'est la fusion âme. Donc, dans la reconnaissance que vous êtes une âme de pur amour, que vous êtes fondamentalement, même si vous ne manifestez pas de pur amour à chaque instant, c'est ce que vous êtes. Et c'est la reconnaissance de ça. C'est la reconnaissance que vous êtes un esprit de pure conscience. Même si à chaque instant, vous ne manifestez pas toujours cette pure conscience, vous êtes cela. Et vous êtes un corps avec des cellules qui sont associées à une conscience supérieure. C'est ce que vous êtes. Et quand vous vivez cette reconnaissance, cette vraie fusion, c'est une forme d'unité, union avec vous-même, qui va favoriser l'union par la suite avec tout ce qui est autour de vous. Commencez par l'union avec vous-même. Un corps qui est créé de cellules conscientes, vibrantes, puis un esprit, je suis une âme. Et lorsque vous êtes comme ça, déjà, il y a une intensification, il y a une force, votre énergie se centre et les émissions vibratoires sont de plus en plus fortes. Et ce que j'ajoute à ça, c'est tout l'amour qui est en vous, projetez-le devant vous. Vous le projetez comme ça. Et vous le projetez vers le cœur causal, votre cœur causal.
et vous projetez de votre troisième œil des faisceaux de conscience. Donc, faisceau d'amour, faisceau de conscience. Et je faisais un petit dessin, pour ceux qui ne connaissent pas le triangle de force, je n'ai pas de feutre avec moi, je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut. J'essaie de dessiner une silhouette avec ses yeux, voilà, et son cœur qui est là. Je projette des faisceaux d'amour vers le cœur causal qui est dans mon corps causal, au-delà de moi, et de mon troisième œil vers le même point. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Excusez, voilà, c'est ma qualité de dessin, ça. Ça, c'est un être humain, vous voyez, de son cœur projette des faisceaux d'amour, puis des faisceaux. Ça crée un triangle. Pourquoi? Parce qu'au centre, je vais ajouter à ma dessin, au centre de l'être, il y a le couloir central, le nadi principal qu'on appelle Sushumna. Donc l'énergie circule, oups, circule ici dans Sushumna. Et donc, je projette des faisceaux d'amour, je projette des faisceaux de conscience. Ce que je fais, c'est que je projette vraiment de l'amour, de la conscience. Puis je vais imaginer que le triangle tourne autour de moi. Et il descend, il monte, ou il monte en premier, il descend en premier, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est que cet amour, cette conscience, vous le manifestez tout autour de vous. Et cette force d'amour et de conscience exprimée par l'être unifié crée un aura, un champ d'énergie puissant. Est-ce que je m'explique clairement? Est-ce que ça, vous me saisissez mieux? Donc, au-delà du triangle et de la spirale, parce qu'il peut tourner en spirale jusque sous vos pieds, remonter au-dessus de votre tête ou aller dans le sens inverse, l'idée, c'est que votre intention, parce que c'est l'intention qui compte, l'idée, c'est que votre intention, c'est que l'amour que vous projetez et la conscience que vous projetez puissent nourrir tout votre champ d'énergie. Voilà. Ah, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions. Il est déjà 2 heures. Ça fait 2 heures qu'on est en ligne et je suis toujours touché par le fait qu'il y ait beaucoup de questions puis que je n'ai pas le temps, j'ai un autre rendez-vous. Alors, je suis désolé, je peux pas retenir toutes ces questions pour commencer comme ça, mais voilà, je peux vous offrir à toutes ces questions. Je suis avec vous de cœur, je suis avec vous d'esprit. Et on se retrouve là le 24 septembre. On continue. Vous pouvez revenir avec vos questions. Je suis vraiment désolé. Alors, je veux remercier chacune d'entre vous d'être là vraiment en partageant par les questions des aspects de vous. Ça aide tout le monde. Je veux remercier Joanne qui répond aussi quand vous écrivez à Symphonie. Avec tout son cœur, qui facilite la mise en ligne. Je remercie Christine Falaise qui peut aussi vous accompagner quand vous avez besoin d'un accompagnant psycho-spirituel. Il y a Christine Falaise qui est ici, qui peut vous voir, qui peut être aussi en virtuel. Et puis, il y a aussi, voyons, ah, il y a son nom en France qui est là aussi. C'est Marie? Non, c'est pas Marie. Mon Dieu. J'ai un plan. Sylvie Castagnier, excuse-moi Sylvie, qui est là, que vous pouvez contacter pour qu'il va vous aider à intégrer tous ces enseignements. Il y a Isabelle qui est celle qui oriente Symphonie. Merci à tout le monde, merci à tous les collaborateurs dans chacune des villes. Merci aussi aux collaborateurs qui vont coordonner les grandes cellules de la cellule santé, la cellule entreprise, la cellule des arts. Parce que je ne suis pas tout seul, évidemment, il y a plein de gens. À tout bientôt. On se revoit 24 septembre, si vous en avez envie, pour un autre rendez-vous avec Pierre Lessard. À tout bientôt.